Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de NCI Sport. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Alors, toute l'actualité sportive de la semaine sera passée en revue pendant une heure avec un gros programme basketball, puisque je vous rappelle que les play-offs de la Basketball Africa League seront à suivre dès ce samedi en direct et en intégralité sur NCI. Eh bien oui, quand on vous dit que le sport s'installe définitivement sur la chaîne, eh bien voilà. Allez, on commence tout de suite avec le programme complet de ce numéro de NCI Sport. Ce lundi, dans NCI Sport, les play-offs de la Basketball Africa League saison 3 démarrent samedi. Avant de vivre l'événement en direct et en exclusivité sur NCI, les détails de ces phases finales. Avant de quitter Abidjan pour Kigali, l'ABC a reçu la visite de NCI Sport. Nous étions au cœur de la préparation des Fighters qui nous ont dévoilé leurs ambitions. Deux fois vainqueur de la balle, Solo Diabaté va se livrer dans un entretien exclusif. Ses ambitions, le choc ABC Petro Luanda, l'international ivoirien va s'exprimer. À la SEC Mimosa, on connaît les actionnaires. Désormais, il faut compter avec le mur jaune. NCI Sport vous plonge au cœur du groupe de supporters des jaunes et noirs. Et voilà, gros programme en perspective, comme tous les lundis soirs. En tout cas, on espère que vous allez passer une très très belle soirée de sport en notre compagnie. Et vous avez vu qu'on va beaucoup parler basketball ce soir, je vous le disais. Et pour ce faire, nous recevons des invités de marque. Allez, on commence par l'autorité, l'autorité suprême du basketball ivoirien. Bonsoir, président Mahama Koulibaly, président de la Fédération ivoirienne de basketball, bien évidemment. Bonsoir Tia. Comment allez-vous, Président? Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être sur notre plateau ce soir. C'est toujours un plaisir pour moi. Partagé. Ouais. Et de l'autre côté de la table, eh bien, nous avons le conseiller du président de l'ABC, M. Adama Doumbia. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Tia, je vais très très bien. Mais on est content également de vous avoir. Vous allez nous donner les dernières nouvelles des Fighters parce que vous partez demain pour Kigali. Exactement. Eh oui. Promis. Eh oui, on les détails de la préparation et des play-offs à Kigali. Eh oui. Alors, dans quel état d'esprit est l'équipe? L'équipe est sereine, mm-hmm. bien en place et elle est à l'ouvrage. D'accord. Eh bien, très bien. En tout cas, on le verra tout à l'heure dans le très beau reportage qu'on va proposer aux téléspectateurs. Alors, vous l'avez vu, oui. Allez, on va faire un plan large du plateau. Vous le voyez, ce magnifique trophée. Le trophée, non pas de la Basketball Africa League, mais le trophée de la Coupe du Monde que le président Mahama Koulibaly nous a amené en exclusivité sur le plateau de NCI Sport. Alors, président, c'est vrai que, voilà, on le sait, vous communiquez beaucoup autour de ce trophée, donc le trophée de la Coupe du Monde qui est en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Qu'est-ce qui justifie cette présence chez nous? Merci beaucoup. La justification, c'est la qualification de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde. Mm-hmm. C'est de tradition que FIBA, à la veille des compétitions, essaie de faire ce qu'on appelle un trophée tour. C'est une opportunité pour nous de promouvoir non seulement le basketball, ce trophée, et de rêver qu'un pays africain sera peut-être un jour champion du monde. Donc, c'est ça. Nous, on y croit, en tout cas, Président. Et voilà, nous, l'intérêt, l'élément exceptionnel, c'est qu'on a cette opportunité d'avoir le trophée qui sera soulevé par le champion du monde et d'être le premier pays à l'avoir en Afrique, mm-hmm. après que ça ira au Cap-Vert, en Angola et en Égypte. Mm-hmm. Donc, c'est une opportunité pour nous de voir ce trophée par toutes les couches de la société. Alors, justement, le fait que ce soit en Côte d'Ivoire, que le trophée arrive pour la première fois en Afrique, que la Côte d'Ivoire donc, soit le premier pays africain à le recevoir, qu'est-ce qui explique cela? Écoutez, je pense que c'est un peu notre vision, notre abnégation à toujours être premier, mm-hmm. parce qu'on était au tirage au sort à Manille, donc on l'a négocié de haute lutte avec le soutien d'Alphonse Billet, le secrétaire général de FIBA Afrique, afin de rester dans la dynamique positive d'ambition, de toujours rester au top niveau. Et puis, ça donne vraiment beaucoup de motivation à tout le monde de rêver grand et d'aller le plus loin possible et pour le bonheur des Ivoiriens. Mmh, absolument. Voilà, et donc, on a tout un programme de marketing, de présentation, de promotion pour que, comme on l'a dit, c'est notre thèse, la Côte d'Ivoire est un pays de basket. Voilà, et c'est important que ça devienne un générique et que de façon naturelle, les accompagnements institutionnels, privés, soient réels sans qu'on soit
à balbutier et tout ça. Il faut que ce soit quelque chose d'assez naturel parce qu'on a un vivier, on a une histoire. Et vous le, on pourra le démontrer autant que vous voulez. Absolument. Donc voilà. La Côte d'Ivoire, un pays de basket, non seulement hein, en ce qui concerne la Coupe du Monde, mais également en ce qui concerne la Basketball Africa League, hein, puisque du 20 au 27 mai prochain, vous suivrez en exclusivité et en intégralité sur NCI les phases finales de la saison 3 hein, de la balle. Avant ce grand rendez-vous, eh bien, petite présentation de ces play-offs avec Armel Yao et Moon. Regardez. 8 clubs sont sortis vainqueurs des batailles du Sahara et du Nil. Ces formations vont s'affronter à la Kigali Arena au Rwanda pour les phases finales de la saison 3 de la Basketball African League. Qui du Stade Malien du Mali, de l'AS Douane du Sénégal, du REG du Rwanda, de l'ABC Fighters de la Côte d'Ivoire, du Petro Luanda d'Angola, d'Al-Ahly d'Égypte, de Cape Town Tigers d'Afrique du Sud et du CFV Beira du Mozambique succédera à l'US Monastir. Les hostilités démarrent ce samedi. On démarre en trombe, ces phases finales pour les quarts de finale. De gros chocs pour la première journée. Leader de la conférence Sahara, le Stade Malien sera face aux Sud-Africains de Cape Town Tigers avant que le REG ne croise le fer face aux Égyptiens de Al-Ahly. Le lendemain, les Sénégalais de l'AS Douane affronteront les Mozambicains du CFV Beira. Plus tard, le même jour, le représentant ivoirien, l'ABC Fighters, se mesurera au Petro Luanda d'Angola. Ce sera le choc entre deux amis, deux coéquipiers en sélection, deux éléphants basketteurs, Konaté Stéphane face à Solo Diabaté. Pour être complet avec ces phases finales, il faut savoir que les demi-finales se joueront le mercredi 24 mars, la petite finale, le 26. Le nom du vainqueur de la saison 3 de la Basketball Africa League sera connu le samedi 27 mai prochain. Alors, Président, et puis Monsieur Doumbia, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Voilà, on va se lancer pour vous. Hein, qui sont les favoris de ces demi-finales? Allez, Monsieur Doumbia, on commence par vous. C'est très clair, c'est l'ABC. Ah ben vous n'allez pas nous dire le contraire. Ah, c'est clair, oui, parce que dès le début de cette compétition, les Fighters ont affiché leurs ambitions. C'est de ramener le trophée à Abidjan, tout simplement. Ouais. Et donc ça n'a pas changé, l'objectif n'a pas changé. Nous y travaillons, nous y avons travaillé, nous continuons d'y travailler. Et au soir du 27, nous ambitionnons donc de ramener ce trophée-là sur les bords de la lagune Évrier. Mm-hmm. Voilà. Bon, il y a quand même un gros morceau en face. Hein, on va oui, pas... clairement. Clairement, uh-huh. on cite ça et là, le Petro, Ali et autres, c'est vrai. Mais cela n'entame pas la détermination de l'ABC, uh-huh. qui, déjà en s'engageant dans cette compétition-là, était sûr de ses forces. Beaucoup de personnes ne vendaient pas cher, on va dire, la peau de l'ABC dans cette compétition. Jamais une équipe ivoirienne n'essaie ici à ce stade de la compétition. Jamais une équipe ivoirienne n'a porté, on va dire, l'espoir sur le flambeau du basketball ivoirien s'agissant des compétitions de club. L'ABC l'a fait dans l'ancienne formule donc, qui est la Coupe d'Afrique des clubs champions, mmh, mmh. en remportant le trophée en 2005. L'ABC le fait aujourd'hui et en ouvrant une nouvelle page du basket-ball ivoirien par sa qualification pour les play-offs qui vont se dérouler, vous l'avez dit, du 20 au 27 mai prochain à Kigali. Mm-hmm. D'accord. Alors, Président, vous avez vu, hein, M. Doumbia est très optimiste. Ouais. C'est bien, tant mieux, parce que nous aussi, on l'est et on est vraiment derrière cette équipe de l'ABC. Est-ce que, justement, le fait que l'US Monastir ne soit plus en lice aussi, parce que c'est quand même le tenant du titre, qui a été éliminé hein, pendant la conférence Sahara, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas l'US Monastir, bon, ça nous donne de l'espoir supplémentaire aussi? Oui, j'allais répondre pour vous dire votre question en disant qui est favori. On ne peut pas répondre à cette question parce que nous avons eu la chance d'avoir été avec l'ABC à Dakar. Mm-hmm, on a vu que l'ABC a battu l'US Monastir, qui était favori, on va dire, à 90%. Donc, la balle, les enjeux, ça change. Je veux dire, on ne peut pas parler de favori. Nous sommes là, on soutient l'ABC, on est de cœur avec l'ABC. Les jours du match, ce sont d'autres réalités.
Donc, il va falloir regarder à la fin du match, mais vraiment donner tout ce qu'il faut en termes de soutien, parce que la Côte d'Ivoire est un pays surprenant en termes de basketball, mm-hmm. l'image de l'ABC. Donc, on parlera, nous, ici, de mettre tous les moyens naturels, les moyens psychologiques pour pouvoir soutenir l'ABC mm-hmm. pour cette balle. Et donc, je pense que si on est en demi-finale, je vois c'est en quart de finale, je pense, je crois que l'ABC a toutes les chances de pouvoir réaliser l'exploit, comme ça s'est passé avec Monasti. On y croit. Quel que soit l'or qui est en face, je pense que l'ABC a ses chances, parce qu'ils ne vont pas pouvoir aller faire plaisir à l'équipe de l'Angola, de Petro. Donc moi, je crois que l'ABC est capable de faire l'exploit. D'accord. Ouais. Alors, vous avez parlé d'ogre hein, face ouais. à l'ABC. Évidemment, hein, le Petro Luanda qui fait partie de ses favoris hein, de cette Basketball Africa League et qui rencontrera donc l'ABC en quart de finale. Avant leur départ pour Kigali, eh bien, les Fighters ont reçu la visite de NCI Sport lors d'une de leurs dernières séances d'entraînement. Eh bien, je vous propose de regarder cet élément vidéo. 4e de la conférence Sahara, l'Abidjan Basket Club s'est donné le droit d'être à Kigali pour les phases finales de la saison 3 de la Basketball Africa League. Avant de quitter la Côte d'Ivoire pour le Rwanda, les Fighters ont reçu la visite de NCI Sport. Vendredi 12 mai, Palais des Sports de Trècheville, l'ABC prépare le grand rendez-vous de la balle. Après une qualification acquise un peu dans la douleur, car battue au dernier match par le Stade malien, 91-70, les Fighters veulent aborder les phases finales avec beaucoup plus de sérénité. 2 minutes. 2 minutes. 8, 7, 6. Pour ces phases finales, l'adversaire se nomme Petro Atlético de Luanda. Vice-champion la deuxième édition, les Angolais ont dominé leurs adversaires en terminant en tête à la conférence Nil. Une performance qui force le respect chez les adversaires. C'est une très bonne équipe, une équipe avec beaucoup de force, une équipe expérimentée, une équipe qui a, pendant ces deux dernières éditions de la balle, a joué la demi-finale et la finale l'année dernière. Donc en termes d'expérience à la balle, cette équipe-là est, on va dire, au top au niveau d'expérience. Au sein de cette formation angolaise, un Ivoirien, Solo Diabaté. Son duel avec son capitaine en sélection est déjà dans les têtes. On se parle, Solo et moi, mais on n'a pas évoqué spécialement la rencontre Petro contre ABC. Je pense que c'est mieux d'ailleurs pour ne pas mélanger la fraternité et le sport. À Kigali, ce sont les 8 meilleures équipes du continent qui vont s'affronter. Ce sera une phase très relevée. À notre retour de Dakar, il y a eu des libérations de certains joueurs qui ont été remplacés. Donc l'équipe est déjà renforcée. Toujours à la tête de l'équipe de l'ABC malgré les rumeurs de départ, coach Liz Mills peaufine sa stratégie et sa tactique pour permettre à l'équipe de corriger les erreurs observées lors de la conférence Sahara. Comme toutes les bonnes équipes, on essaie de développer tous les aspects de jeu. On a beaucoup de choses à améliorer aux sorties de la conférence Sahara, et c'est ce qu'on a fait ces dernières semaines. Spécifiquement, les zones fragiles comme la défense, les rebonds, la défense individuelle et jouer un peu plus physique. Car sur le terrain, on était toujours en dessous. Offensivement, on a essayé d'adapter beaucoup de nos joueurs parce qu'on sait qu'il y a des équipes de ces playoffs qui auront peur de nous. Donc, on a développé notre défense et notre attaque durant ces 8 dernières semaines. À 5 jours du début de ces phases finales, quel est l'état d'esprit du groupe? On est en confiance parce que depuis pratiquement 4 à 5 mois, on s'est entraîné jusqu'à maintenant et vraiment, on compte créer bel et bien la surprise à Kigali. Nous avons le board de l'ABC, les dirigeants qui mettent tous les moyens pour qu'on puisse avoir quand même, je pense, une préparation digne de ce nom, une préparation de compétition africaine. Et voilà, on se prépare sereinement, comme on a fait avant la conférence Sahara, où on est sorti quand même qualifié pour les play-offs. Donc là, de ce côté-là, on est très serein. Et puis,
comme j'ai dit, les dirigeants mettent les moyens pour qu'on puisse quand même avoir une déclaration potable. Côté infirmerie, aucune inquiétude à se faire. Tous les athlètes suivent les recommandations du médecin afin d'être au top le jour de la compétition. Notre infirmerie est pratiquement vide, à part quelques petits bobos qui sont par exemple des formes larvées de paludisme, puisque nous avons déjà agi en amont en faisant des traitements préventifs. Donc c'est des petites formes larvées de paludisme, un ou deux joueurs. Et puis sur le plan traumatologique, comme nous jouons en même temps le championnat et puis nous préparons la balle, il y a quand même beaucoup de matchs, des petits traumatismes et autres, mais par la grâce de Dieu, ce n'est pas des grandes choses. Comme le recommandent les organisateurs de la balle, chaque équipe doit avoir un joueur de moins de 21 ans. Et le bénéficiaire de cette clause se nomme Marc Yoa Kwadio. Je me sens bien en famille avec Stéphane Konaté, avec Momo Kra, Lurich, et puis plusieurs grands frères qui m'ont bien intégré. Ils me donnent des conseils, comment me comporter, comment s'il y a des fautes sur le terrain, comment ne pas avoir peur, quoi. Pour sa première participation à la balle, l'ABC accède aux phases finales. Loin de s'en contenter, les Abidjanais nourrissent des ambitions. L'objectif, c'est d'aller et revenir à Abidjan avec la coupe. Nous y croyons, moi j'y crois, parce que c'est un match de basket et tout va se passer sur le terrain. Comme on le voit, c'est une équipe de l'ABC confiante qui se rendra à Kigali pour défier les Angolais du Petro le dimanche 21 mai. ABC à 3, 1, 2, 3. ABC! Ah, elles sont belles ces images hein, de ouais. Nos fighters. On sent qu'il y a vraiment la rage de vaincre et de faire un résultat hein, du côté de Kigali. Alors, Monsieur Doumbia, on l'a entendu hein, dans l'élément, le président nous a dit que certains joueurs ont été remplacés. Est-ce qu'on peut avoir quelques explications là-dessus? Après Dakar, il fallait sereinement faire le point de la situation. Clairement, il y a eu... des très bonnes choses qui ont été réalisées, notamment la victoire contre le tenant du titre, l'US Monastir. Mais il y a également certains aspects de jeu qui étaient moins bien faits et donc qu'il fallait corriger. Mm-hmm. Donc, c'est au regard de ce bilan-là que le staff technique, en lien avec le board, en tout cas a décidé d'apporter quelques petites touches en termes de changement au niveau de l'effectif. Alors, concrètement, hein, qui a été remplacé? C'est connu, Don Alex est parti, Christophe Obekpa est également parti, Chaudi Bilé également est parti. Voilà, donc tous ont été remplacés et donc cela est, je veux dire, doit conférer à l'équipe un meilleur équilibre dans tous ces compartiments. Au regard des adversaires potentiels, enfin connus, qu'on a à l'époque potentiels, mais aujourd'hui connus, qu'on allait avoir à Kigali. Et donc, ce qui a justifié ces changements-là, dans le but d'être un peu plus performant qu'à Dakar. D'accord. Alors, on a entendu le président, hein, que ce soit le président de l'ABC ou encore les joueurs, hein, ils sont tous extrêmement confiants avec un objectif commun, à savoir ramener la coupe à la maison. Président Mahama Koulibaly, est-ce que c'est possible, selon vous? Il faut croire. Quand on s'organise, on se prépare pour un objectif, on ne peut pas nous poser les questions. Est-ce que c'est possible? C'est forcément possible par rapport à la conviction personnelle. Évidemment, c'est une compétition de haut niveau. Je pense que, comme je le répète, si l'ABC a été capable de faire l'exploit de battre l'équipe de l'Asdouan, qui à Dakar, dans un environnement assez complexe, Monastir de près de 14 points, on ne s'y attendait pas, donc ça montre à peu près que l'ABC, qui est une équipe qui a été championne au moins 18 fois, qui est habituée aux Coupes africaines, qui est structurée de façon plus professionnelle, avec des ambitions de ce niveau, je pense que c'est un processus qui est en train de se mettre en place, et donc l'ABC s'organise pour être parmi les meilleures équipes d'Afrique. Donc ça, la balle est une opportunité. Et une opportunité qu'on compte bien saisir, n'est-ce pas, M. Doumbia? Exactement. En tout cas, tout est mis en place
toutes les énergies convergent vers cet objectif-là ultime, qui est de ramener la Coupe à Abidjan. Très bien, on y croit. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le trophée de la Coupe du Monde qui est ici, hein, que vous allez pouvoir voir. C'est une exclusivité, ce n'est pas donné à tout le monde et on est vraiment fiers et contents de l'avoir sur le plateau. Donc, merci beaucoup, Président Mahama. Alors, il y a des dispositions particulières. Moi, je vais donner les dessous de l'histoire, puisqu'on a vu qu'il y a une équipe qui est là, qui surveille vraiment ce trophée. On n'a même pas le droit de le toucher, d'ailleurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Voilà. Sur le plan réel et symbolique, le trophée, il ne faut pas le toucher si on n'est pas champion. Donc, FIBA a détaché 3 personnes venues de la Nouvelle-Zélande, de l'Angleterre, qui surveillent le trophée vraiment comme une poule aux yeux d'or. Mm-hmm. Donc, avec des dispositions particulières et de façon exceptionnelle, si les autorités doivent le toucher, c'est avec des gants. Donc, seul le pays... Les champions et les joueurs champions auront le droit de toucher ce trophée-là. Donc, voilà, et avec tout un dispositif de tout, avec, ils ont bien rodé leur méthode de travail, donc ils sont à côté pour pouvoir veiller au grain sur ce trophée qui est majestueux, qui est vraiment d'une certaine valeur inestimable, mm-hmm. et donc qui est précieux, et donc qui nécessite toute une attention particulière. Voilà, qui fera le tour des 32 pays. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir quand même quelques caractéristiques concernant ce trophée? C'est de l'or? Est-ce que... Enfin, on peut avoir quelques chiffres quand même? Faites-nous rêver, Président. Faites-nous rêver. Parce qu'après, je vais négocier hein, pour essayer de le toucher un petit peu. Tout ça reste, je dirais pas confidentiel. J'aurais pu faire entrer Madame Illy, qui est là. Dommage, elle ne m'a pas révélé toutes ces informations. Mais il faut déjà rester sur le caractère. La valeur symbolique, la valeur réelle de ce trophée est vraiment inestimable. Mm-hmm. Et donc, je pense que l'investissement des pays pour cette Coupe du Monde, vous savez, c'est assez énorme. Mm-hmm. Donc, c'est un trophée qui ne se vend pas, mais qui donne cet éclat qui est doré d'or. Et donc, de combien de carats, je ne pourrais pas vous dire là. Je pense que peut-être que sous peu, vous aurez des informations plus détaillées avec les personnes qui sont venues de si loin. Pour préserver ce trophée-là, qu'il soit rare et non accessible à tout le monde. Mmh, d'accord. Et on a le privilège de l'avoir et donc il faut être heureux. Voilà. Et oui, et j'imagine que les téléspectateurs de NCI Sport sont bien contents de le voir de leurs propres yeux. Voilà, ça se passe uniquement chez nous. Voilà. Allez, on va marquer une toute petite pause. Oui, juste après, on continuera à parler basketball avec nos invités. Et puis, on parlera football et bien évidemment avec la Coupe de la Confédération, le point sur la Ligue 1, sur la Ligue 2 et puis un doc exceptionnel sur le mur jaune de l'ASEC Mimosa. Alors restez avec nous, on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de NCI Sport. Ben merci d'être aussi nombreux à nous suivre tous les lundis soirs de 20h30 à 21h30 pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Et c'est vrai que bon, vous voyez certainement la publicité passer tout au long de la journée sur les antennes de NCI. Eh bien, la phase finale de la balle, pour ne pas dire les play-offs de la Basketball Africa League, commenceront ce samedi et seront à suivre en direct, en exclusivité et en intégralité sur NCI. Et pour en parler ce soir, eh bien, nous avons le président de la Fédération ivoirienne de basketball, le président Mahama Koulibaly, et puis le représentant du président de l'ABC Fighters, qui va représenter, on l'espère, dignement la Côte d'Ivoire, monsieur Adama Doumbia en plateau. Et ça nous fait très plaisir, en tout cas, de vous avoir, messieurs. Alors, on va continuer à parler avec vous. Alors, monsieur Doumbia. Oui. C'est vrai que il y aura une opposition dans ce match face au Petrol Rwanda entre Stéphane Konaté et Solo Diabaté, deux frères pour ne pas dire, qui jouent au sein de l'équipe nationale. Est-ce que vous sentez Stéphane Konaté anxieux ou enfin comment vous le sentez par rapport à cette opposition? Ben, nous l'avons dit dès le départ, nous sommes confiants, mm-hmm. nous sommes sereins. Sûr de nos forces. Nous ne tombons pas dans un optimisme béat. Oui. Le disant, l'ABC est conscient qu'il faut travailler pour cela. Et c'est pourquoi, dès après Dakar, l'équipe s'est retranchée au Palais des Sports de Crècheville, où il travaille sous la houlette du coach Mills et de toute son équipe. Mm-hmm.
pour améliorer, on va dire, toutes les facettes du jeu, aussi bien en attaque qu'en défense. Le coach l'a dit dans l'élément qui est passé. Essayer de trouver les stratégies les meilleures en se référant à la façon de jouer des adversaires. On a tous suivi la conférence NIL. On a vu le Petro évoluer. On a vu qui a survolé évoluer, cette conférence, on peut dire. Qui a survolé cette conférence, oui. Chapeau. En face, la conférence de Sarah était, la conférence Sarah était bien plus équilibrée. Vous noterez que quasiment toutes les équipes qualifiées avaient le même nombre de points. Ça s'est joué à la différence de points. Et donc, l'ABC est confiant. L'ABC abordera ce match-là, ce quart de finale, avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup, beaucoup de détermination, parce que l'objectif est dans la tête de chaque joueur et chaque centimètre carré du parquet sera un champ de bataille pour nous, à l'image du nom du club, Fighters. Les joueurs sont parés à cela, ils sont préparés à cela, se battre du début à la fin du match, afin que, au terme donc du temps réglementaire de jeu et des prolongations s'il y a lieu, l'ABC puisse sortir vainqueur. Et c'est à cela que le club travaille. C'est notre objectif et rien ne doit nous dévier de cet objectif-là. Mm-hmm. Ni la réputation de l'adversaire, ni la réputation de certains joueurs qui composent ces équipes-là. De toutes les façons, à partir du moment où le club s'est fixé pour objectif de remporter le trophée, il est préparé à battre n'importe quelle équipe, quel que soit le stade de la compétition, que ce soit en finale, en demi-finale ou quart de finale. Il faut être prêt à battre tout le monde et ça ne laisse pas d'autre choix que de travailler pour cela. Mm-hmm. Alors, on vogue, vous l'avez vu, entre la Basketball Africa League et la Coupe du Monde, puisque vous le voyez, ce magnifique trophée. Oui, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de route, ce magnifique trophée de la Coupe du Monde qui est sur le plateau de NCI Sport. Président Mahama, vous avez eu l'occasion, depuis que le trophée est en Côte d'Ivoire, de rendre visite à des autorités du pays. Quel a été le message qu'ils vous ont envoyé? Merci. Nous avons le trophée arrivé qu'hier. Mm-hmm. Je pense que la première autorité, c'est le ministre des Sports qui nous a reçus cet après-midi à 14h. C'était important que le trophée rentre en Côte d'Ivoire par lui. Donc c'était toute la bénédiction, toute la satisfaction, toute la fierté du ministre et tout l'accompagnement pour que ce trophée pousse les Ivoiriens à représenter dignement la Côte d'Ivoire à cette échéance internationale. Je pense qu'on va rencontrer également demain à 10h. Le vice-président de la République, et ensuite à 14h, le ministre-gouverneur, et enfin, on sera avec, du moins avec les jeunes de l'INGS pour une présentation officielle, et enfin, la grande présentation à FIBA pour le monde du sport, du basketball, et pour lancer notre campagne en route pour le Mondial et les JO 2024. Donc, le message est dans la dynamique de la vision de la fédération, qui est de représenter dignement la Côte d'Ivoire, de rendre fiers les Ivoiriens en étant capable d'aller le plus loin possible pour le bonheur des Ivoiriens. Mais est-ce que vous avez reçu la promesse quand même d'un accompagnement pour justement préparer cette Coupe du Monde dans de bonnes conditions? Oui, je pense que le discours du ministre ouvrait la voie, donc il y a tout un processus. On commence par lui et des détails vous seront livrés au terme de cette campagne. Parce que quand on va à une campagne pour prouver que on est une discipline qui fait bondir le cœur des Ivoiriens. Il faut le prouver afin que les autorités passent à un autre niveau d'accompagnement qui permettrait de ne pas rêver, mais d'être réaliste dans la réalisation de nos objectifs. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai foi. Et c'est pourquoi la réception du ministre est la preuve palpable que nous serons accompagnés. Alors, on est à la hauteur de nos ambitions. Oh, voilà. On l'espère en tout cas. Alors, on est à quelques mois de cette Coupe du Monde. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous faire le point en ce qui concerne les performances de nos internationaux? Oui. De leur club, bien évidemment. Voilà. Moi, je suis président, j'ai un retour d'information, je ne peux pas vous donner de façon détaillée. Oui, oui. Mais ce qui est sûr, c'est que le staff technique les suit de façon précise. Vous constatez que, je ne dirais pas de nom, mais je pense que tout se passe assez bien. On a, vous prenez par exemple l'équipe de Pamba qui a été champion dans sa division. Vous avez l'équipe de Bazoumana Kone qui joue les play-offs. Mm-hmm. Vous avez l'équipe
de Harris, de Ismaël Sanogo qui est sorti des playoffs face à Olympiakos. Donc, on a également un joueur comme Maxence Dadier qui a fait une grosse performance. On a aussi, comment il s'appelle, Wafesa Fofana qui a raté de peu les playoffs. Donc, on est satisfait de la production et on a Costello également qui a fait une grosse saison. C'est vrai que Poitre s'est un peu blessé. On a aussi Mobamba qui s'est foulé un peu la cheville. Donc, ils sont suivis. Et d'ailleurs, le coach sera ici par rapport à la préparation qui commence par les internationaux. Il arrive ce soir pour une préparation pour les joueurs locaux. Donc, on a un regard assez large et efficace pour prendre les meilleurs du moment pour que la Côte d'Ivoire soit le mieux représenté au niveau de la Coupe du Monde. D'accord, très bien. Voilà. Bon, alors messieurs, c'est vrai qu'on aimerait parler basket encore et encore et encore. Avant de vous donner quand même le mot de la fin à l'un comme à l'autre, on devait avoir en appel Zoom Solo Diabaté hein, qui devait atterrir à Dubaï en partance pour Kigali au Rwanda. Malheureusement, bon, on me fait savoir que le vol a eu un tout petit peu de retard. Donc malheureusement, on ne pourra pas l'avoir là ce soir, mais a priori, il sera avec nous ce week-end avant la grande rencontre entre le Petro et l'ABC. Voilà, donc en tout cas, toutes nos excuses. On fera de notre mieux pour l'avoir et pour, que, voilà, pour lui poser un maximum de questions avant la rencontre. Alors messieurs, bon, je commence par vous et puis on laissera terminer le président, hein, si vous le voulez bien. Monsieur Doumbia, ben, votre mot à l'endroit des Ivoiriens, à l'endroit de tous les téléspectateurs qui suivent hein, l'ABC dans cette compétition, hein, dans cette Basketball Africa League, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Ben, d'abord, c'est des mots de remerciement pour le soutien dont le club a bénéficié depuis le début de cette compétition. Parce que certes, on va pour les play-offs, mais il y a eu déjà le road to BL, donc les phases éliminatoires. Il y a eu Dakar et aujourd'hui Kigali qui s'annonce. Donc, je le dis merci aux Ivoiriens, merci au gouvernement ivoirien et en particulier au ministère des Sports qui a soutenu l'équipe. Merci à la fédération qui a bénéficié, qui a apporté tout le soutien institutionnel, matériel, même financier à l'ABC. Merci aux partenaires du club, on ne peut pas les citer ici malheureusement. Mais en tout cas, le secteur privé s'est mobilisé autour de l'ABC. Rarement, on a vu une équipe ivoirienne s'entourer d'entreprises citoyennes, quelquefois. Pas là toujours pour faire du profit, mais adhérer à un projet qui impacte d'une façon ou d'une autre les jeunes, la jeunesse, et qui impacte, je veux dire, la nation, parce que ABC, en étant qualifié pour les play-offs, se positionne un peu comme le porte-étendard du basketball, l'ambassadeur du sport ivoirien, parlant de basket, parlant de compétition, de club au niveau du basket. Et donc, c'est de remercier ces Ivoiriens-là et puis de leur demander de continuer à soutenir le club par leur prière, par les soutiens de quelque nature que ce soit. D'accord. En tout cas, merci à la presse qu'on n'oublie pas, notamment à NCI. Merci à vous, M. Doumbia. Président, allez, votre mot de la fin. Je tenais, au nom de la Fédération de tout le monde de basket, dit merci à NCI, qui a l'exclusivité du trophée et qui, avec cette émission, fait la promotion du sport et du basket en particulier. On tient à dire merci à vous, à toute la rédaction. Et surtout, nous, notre remerciement va à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire, du ministre des Sports, du chef de l'État, du Premier ministre, du vice-président, et surtout du public, de rester féru du basket, d'accompagner le basket qui monte et de participer à tous les événements, parce que le 18, on a la Coupe Côte d'Ivoire. Ensuite, ABC sera au bal à partir du 21, et il y a toute la préparation, toutes les activités avec nos jeunes qui vont au Ghana, les U16 qui vont en France. Donc, on pourra dire, grâce à NCI, grâce aux Ivoiriens, le basketball sera la discipline, l'une des disciplines phares du Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et que nous serons à votre disposition pour vous fournir du contenu afin que les spectateurs puissent avoir du contenu varié et de qualité. Merci beaucoup, Président. Allez, on va terminer cette deuxième partie d'émission avec un tour d'horizon des différentes disciplines sportives. NCI Sport News proposé par Antoine Mahon et Moon. Il s'est passé des choses dans la planète sport, ici et ailleurs. On se fait un point. Judo, les nouveaux rois de la saison.
le championnat national individuel de judo 2023 a eu lieu au Hall 1 du Palais des Sports de Trècheville. Cette journée a révélé des nouveaux rois de la saison. Chez les hommes, Kobenan Kofi Crémé, moins de 100 kg, et Wilfried Polno, plus de 100 kg, ont conservé leur couronne dans les catégories respectives après des batailles acharnées. Au niveau des moins 60 kg, Dabone Daouda est monté sur la plus haute marche du podium pour la troisième fois d'affilée. Tennis, Eliakim Bria-Monastir. Eliakim Koulibaly a remporté la finale lors du tournoi de tennis de 15 000 $ de Monastir dimanche en Tunisie. Le 440e au classement ATP a battu le Chinois Eric Galetti, 480e mondial, en 2-7, 6-2, 6-1. En demi-finale, il est venu à bout d'un autre Chinois, Ye Konmo, 6-2, 6-3. En quart de finale, il a disposé du Moldave Ilya Sintra sur le score de 2-7 à 0, 6-2, 6-2. Football, le Caridas de la Détroit connu. L'ES Abouville, Dankov d'Atiégouacro, le Sigulolo FC et l'Olympique Club d'Abobo sont les quatre formations qui disputeront le Caridas du championnat de Détroit pour la montée en Ligue 2. Cette deuxième phase se disputera du 27 mai au 2 juin prochain au stade Robert Champreau de Marcoury. Au terme de ce mini-tournoi, les deux premiers accéderont directement à la D2 du championnat national de football. Infrastructure, un complexe moderne à Abobo. La commune d'Abobo dispose désormais de son complexe sportif ultra-moderne. Situé au quartier à Keikwa, ce complexe sportif socio-culturel comprend 3 aires de jeu de basketball, 2 terrains de handball, 1 terrain de football avec gazon synthétique, un dojo et un restaurant. L'inauguration de cette infrastructure sportive de proximité a été faite vendredi. Au total, ce sont 10 agoras qui sortiront de terre à Kumasi, Abobo, Yupougon, Port-Boué, Touba, Dambokro, Giglo, Atekoubé, Mbato, Bundiali et Béoumi. Et voilà, allez, un petit remplacement basket hein, sur le plateau. Oui, on a remercié, on a libéré le président de la Fédération ivoirienne de basketball et M. Doumbia, représentant du président de l'ABC Fighters, et ben pour accueillir sur le plateau Patrick Guité, oui, un consultant que vous aimez tellement. Bonsoir Patrick Guité. Bonsoir Atiya. Comment allez-vous? Très bien. Bon, ben, si vous êtes là, ce n'est pas pour parler basket, c'est pour parler football. Et on le fera juste après la toute petite page de publicité qui arrive maintenant. Il y aura la Coupe de la Confédération, le point de la Ligue 1, de la Ligue 2 et un très beau documentaire, sur le mur jaune de la SEC Mimosa. Tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de NCI Sport. Eh bien, merci d'être avec nous. C'est déjà la troisième et dernière partie hein, de cette émission. Et nous allons parler football maintenant. Oui, on a parlé basketball, on va passer au football. Et je vous le disais, on commencera avec la Coupe de la Confédération. La SEC Mimosa affronte l'USM Alger hein, lors de la demi-finale retour hein, de cette Coupe de la Confédération. Les Mimosas sont déjà présents à Alger pour cette opposition après le nul 0-0 mercredi dernier à Bouaké. Et pour en parler, donc, Patrick Guité hein, qui est avec nous. Alors Patrick Guité, à froid, quelle analyse faites-vous de la prestation de la SEC Mimosa? Est-ce que vous pensez que les Mimosas méritaient mieux au terme de cette rencontre? Oui, les Mimosas ont dominé cette partie, c'est vrai. Les Mimosas méritaient mieux, méritaient une victoire, même une très courte victoire. Malheureusement, le but de Sankara a été refusé fort judicieusement hein, parce qu'il y avait une position de hors-jeu et après, ben, on a assisté à un balai de raté. On le dit à chaque fois, la SEC Mimosa et les clubs ivoiriens et même l'équipe nationale de Côte d'Ivoire peinent dans l'efficacité, tout simplement. Donc, une efficacité qu'il va falloir retrouver très vite parce que c'est vrai qu'on magnifie le système défensif de la SEC, mais au niveau offensif, il va falloir être beaucoup plus précis que cela lors du match retour. Alors justement, quelles sont les chances de la SEC Mimosa? Alors, pour parler des chances de la SEC Mimosa, il faut savoir déjà qu'elle a déjà joué 9 matchs dans cette Coupe de la Confédération et 4 ont été joués à l'extérieur. Et quand on regarde le ratio, eh bien, c'est 2 victoires à l'extérieur, 1 match nul et une défaite 3-0 face aux Rivers. Donc oui, la tendance est plutôt positive, mais dans l'analyse profonde, il faut regarder également le niveau des clubs
que la SEC a affronté, les clubs que la SEC a battus, hein, Darling Club, Motema Pembe, Diable Noir, ce n'est pas vraiment des foudres de guerre. Et face à l'USM Alger, qui est une équipe, on l'a dit, algérienne, qui a quelque chose peut-être à se faire pardonner, parce que n'ayant pas pu faire eh bien, le break ici à Abidjan, un public qui sera forcément derrière son équipe. Donc il y aura un contexte assez difficile pour la SEC, qui doit être forte. Mentalement, physiquement, mais surtout, il faut marquer des buts. Parce que là, eh oui. Maintenant, il faut marquer des buts. C'est toute la clé de ce match. Ouais. Plus le choix. Alors justement, pour cette manche retour, hein, le capitaine Essis Baudelaire Aka et le milieu de terrain Paco Mzouzou entendent tout mettre en œuvre, justement, pour revenir avec la qualification. Eh bien, ils l'ont confié au micro de NCI Sports. C'était à Boueke, écoutez-nous. Nous avons fait un super match contre l'équipe de US Alger. On a manqué d'efficacité aujourd'hui encore. Je pense qu'on va travailler, on va redoubler d'efforts pour gagner cette finale, pour aller en finale. On sait qu'un but à domicile compte double. On va s'atteler, c'est travailler à ce qu'on voilà, puisse marquer un seul but là-bas pour pouvoir se qualifier. Et on y croit, ça va passer. Ah, pas comme Zouzoua, absolument. Alors, justement, comment aborder hein, cette rencontre, Patrick Guité? Bah, vous savez, une victoire permettra à la SEC donc de se qualifier. Et même un match nul, autre qu'un 0-0, permettrait également au Mimosa. Donc il faut être patient, tout simplement, laisser passer la tempête, parce que les 15 premières minutes seront, pour ma part, difficiles, parce qu'on le sait, on connaît les équipes maghrébines. Les 15 premières minutes, elles sont à fond, puisque le public est là également. Et puis réussir à la faire douter avec un système défensif qui, pour ma part, est très bien huilé, faire douter, résister, et puis procéder, pourquoi pas. Par contre, et moi, l'élément clé, c'est vrai qu'il y a Zouzoua Pacom qui voilà, monte en puissance. Et malheureusement, pour le match ici, le match aller n'a pas été très à l'aise. Il y a un élément important, c'est Yao Kwasi Atuhoula, qui est latéral droit, mais qui apporte énormément au niveau offensif. Donc, il pourrait, pourquoi pas, être l'avant-dernier ou le dernier passeur pour ces attaquants-là qui doivent maintenant, et c'est là maintenant, se mettre en valeur, tout simplement. Alors, autre élément à prendre en considération, hein, c'est que pour cette manche retour, les Mimosas seront orphelins, hein, oui, disons-le comme ça, orphelins à Alger. Tout le contraire hein, du match aller qui s'est déroulé donc, au stade de la paix de Boueke mercredi dernier. Ben, en effet, hein, les joueurs ont bénéficié du soutien de leurs fidèles supporters. Antoine Mahan, Hervé Kiesse et Moon sont allés au pied de ce mur jaune. Parmi les fans de la SEC Mimosa, il y a un groupe très actif ces dernières années. Son nom, le Mur Jaune. Inspiré de la tribune située dans le virage sud du Signal Iduna Park, l'antre du Borussia Dortmund, ce groupe de supporters est devenu incontournable dans le dispositif de soutien à l'équipe jaune et noire. À la faveur de la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération, NCI Sport a suivi le Mur Jaune de la SEC Mimosa. Mercredi 10 mai, stade de la paix de Boueke. Dans la zone nord, le mur jaune est à l'eau. Une présence et surtout une ambiance bien appréciée par Julien Chevalier et Yao Atuhoula. On a eu une belle ambiance au tour précédent, peut-être un peu plus qu'à Yamoussoukro, mais après, l'appétit et l'engouement vient avec les résultats. Et aujourd'hui, c'est une motivation pour nous et on les encourage de venir encore plus tout le temps, chaque fois qu'on joue, et vraiment merci à eux. Mimo, c'est amoureux. Yeah. Après Mimo, c'est amoureux. C'est la vérité. Au four et au moulin, depuis vendredi pour l'organisation de la demi-finale de la Coupe de la Confédération qui doit opposer la SEC Mimosa à l'USM Alger, le mur jaune réserve un enfer sportif aux adversaires des Mimos. Le mur jaune est né en 2019 et à un moment donné, dans les tribunes, le sport en général en Côte d'Ivoire, surtout le football, au niveau local, c'était difficile à ce que nous puissions avoir du monde dans les tribunes. Ensemble, on a réfléchi comment faire pour révolutionner la manière de supporter dans les tribunes.
1500 supporters composent le mur jaune. Mais ce groupe est-il légitime vis-à-vis du Sénaco, le Comité national d'action et de coordination, l'organe de mobilisation, d'organisation et de soutien au service du club? L'appellation mur jaune avec son logo a été déclarée à l'OAPI au Cameroun. Donc c'est des droits exclusifs de la SEC. Et la SEC en a fait son mouvement officiel d'animation, son groupe officiel d'animation. Et le mur jaune fait partie du Sénaco. Donc ils sont sous l'autorité du Sénaco. Pour cette demi-finale aller, le mur jaune a battu le rappel de ses troupes. Comment organise-t-il ses voyages? D'où provient son financement? Le mur jaune n'est pas financé en tant que tel. Et je tiens vraiment à dire merci au président Ali Ilayan, qui fait beaucoup pour le mur jaune. Et aussi, je dis merci au président du Sénaco, aussi qui dégage souvent les moyens pour permettre d'acheter de la boisson, d'acheter de l'eau, et les personnes qui sont dans l'ombre, qui soutiennent le mur jaune. Tout au long des 90 minutes, le mur jaune a parfaitement joué son rôle. De quoi susciter l'admiration des observateurs du football. Le mur jaune vaut son pesant d'or dans le dispositif ou dans l'organisation générale de la SEC Mimosa. C'est un atout indéniable pour l'équipe, parce que partout où l'équipe se déplace, ce mur jaune arrive à, n'est-ce pas, se responsabiliser et apporter un plus. Voilà donc des jeunes gens qui, à chaque fois que la SEC Mimosa a un match à disputer, se déplacent en grand nombre sur tout le stade du pays pour accompagner la SEC Mimosa avec la manière, en mettant de l'animation, une manière de galvaniser les joueurs à se surpasser pour donner donc la satisfaction aux autres. Vous voyez que entre les joueurs et le mur jaune, il y a une communion totale à chaque match. D'accord. Je pense que ce groupe d'animation vraiment peut vraiment aider beaucoup la SEC à progresser. Après avoir acquis la place de numéro 1 au plan local, où il mène la rivalité face aux membres associés de l'Africa Sport et aux fans du Lys de Sassandra, les responsables du mur jaune veulent désormais envahir les stades d'Afrique. Le mur jaune, on est en train de s'organiser pour voir dans quelle mesure, comme je l'ai dit, parce qu'il y a la communauté ivoirienne dans les pays. Donc parfois, voir dans quelle mesure envoyer deux ou trois personnes à l'extérieur et sur place mobiliser. Le grand rêve des responsables du groupe des supporters Mimo, c'est de dresser un mur semblable à celui du Signal Iduna Park à Dortmund. Un sacré défi. Très beau doc, hein, sur le mur jaune, le fameux mur jaune. Alors Patrick Guittet, qu'est-ce que vous pensez de ce mur jaune en termes d'organisation? Ah, très bien organisé. Alors au départ, c'était juste une poignée donc, de supporters de la SEC qui avait décidé de révolutionner, pardon, comme l'a dit le vice-président, la manière de supporter tout simplement les équipes. Et au fur et à mesure, ce groupe-là a grossi. Eh bien, ça grossit grâce à l'organisation, mais forcément grâce aux résultats que réalise la SEC, donc l'équipe sur le terrain, parce que quand même demi-finaliste de la Coupe de la Confédération, il faut le faire. Donc ça ramène eh bien, les supporters au stade. Maintenant, il va falloir organiser ce mur-là, ou le décentraliser pour avoir des sections dans les différentes villes, parce qu'à l'époque, c'était ces différentes sections-là qui viennent de toutes les villes et qui déferlaient sur Abidjan pour créer ce qu'on appelle le cratère jaune. Aujourd'hui, c'est le mur jaune et je les encourage à continuer sur cette lancée parce que quand un footballeur, un sportif voit dans les tribunes des personnes qui sont en train eh bien, de le soutenir, eh bien, il se donne 3 fois, 4 fois, voire 10 fois plus. Mm-hmm. Alors, il se dit que les dirigeants hein, souhaitent faire de ce mur jaune voilà, un petit peu la réplique hein, de ce qui se fait du côté de Dortmund. Vous pensez que c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Je l'ai dit, c'est au fur et à mesure que la SEC avancera dans ses performances sportives, eh bien, ces supporters-là qui se sont désolidarisés un tout petit peu eh bien, de l'équipe parce qu'il n'y avait pas de résultats sportifs, reviendront et quand ils reviendront, ils vont se plonger, on va le dire, ou bien monter sur ce mur jaune pour scander eh bien, le nom de la SEC Mimosa. Donc oui, moi je pense que c'est possible avec ces nouveaux stades-là que nous avons et je pense que jusqu'après la CAN 2023 qui va se jouer ici, je pense que l'engouement sera grandissant et que les supporters de la SEC et même des autres clubs eh bien, déféleront dans les différentes tribunes
pour apporter donc cette gaieté, cette chaleur-là qu'attendent les sportifs. Eh bien, en tout cas, ça se passe plutôt bien pour la SEC Mimosa. On va le voir, hein, puisqu'on va passer aux résultats et au classement, hein, de la Ligue 1. On a joué la 27e journée de la Ligue 1 Lonassi ce week-end. Dans la bataille pour le carré d'As, l'AFAD réalise une bonne opération en battant Boaké FC sur le score de 3-1 au stade municipal de Yamsokro. De son côté, le FC San Pedro a coincé face à la SOA 2-2. Les autres résultats, ben, vous les voyez, hein, ils donnent ceci. 1-1 entre Sol FC et le SBAFING. Le RCA a battu l'Azida Benguru 3-1. Le COK et l'USC Bassam se neutralisent, hein, sur le score d'un but partout. Le Stella Club, ben, a flanché, hein, face au SC Gagnois, 1-0 pour Gagnois. Et enfin, le Stade d'Abidjan a battu le Lys Sassandra 2-1. Alors au classement, la SEC Mimosa avec 2 matchs en retard garde solidement le fauteuil de leader avec 53 points. Le Sporting Club de Gagnon est à la 2e place avec 49 points quand la SOA occupe la 3e marche du podium avec 47 points. Et en bas du tableau, hein, eh bien, l'Azida Benguru est lanterne rouge avec 24 points. Alors Patrick Guité, hein, 5 défaites d'affilée pour le Lys Sassandra. Mais qu'est-ce qui se passe finalement chez les Liman? Alors, comme j'ai dit, on a placé trop d'espoir en ce club qui joue le maintien tout simplement. Et certains l'ont vu trop grand, trop beau pour aller jouer donc, le titre ou les play-offs. Pour moi, je pense que cette équipe s'est mise tout simplement trop de pression et aujourd'hui est en train de payer tout simplement eh bien, cet engouement soudain qui s'est créé autour d'elle tout simplement. Mmh. Côté RCA, il y a Ouattara Brahima, hein, qui est revenu d'Europe pour se relancer. Si on regarde ses chiffres, 11 matchs, 11 buts, un mot sur lui et sur sa performance. Il est magnifique, il est tout simplement magnifique. Avant de partir en Europe, il était déjà, mais en mode passeur, pour Zoumana Kone. Là, il revient, il se met en mode buteur. 11 buts en 11 matchs, il faut le faire en tant que milieu offensif, tout simplement. Mmh. Alors, en Ligue 2, oui, on va passer à la Ligue 2. Hein. L'épilogue de la saison approche avec des destins qui se jouent. L'Africa Sport a posé un grand pas, hein, vers la Ligue 1 en battant ce soir l'Amphiras Sport sur le score, pardon, de 4-2. Dans la poule B, c'est Iska, victorieux de Guéry FC, 4-1. Et dans la même poule, Yamsokro FC a battu la RFC Abouasso, 2-0. Pour le reste, eh bien, l'Espérance Boaké a battu Efim, 1-0. Issyawasi a battu le WAC, 1-0. Agir de Guibérois face à l'ADFK, 1-1. ESB Gerville, CO Boisflé, ben, reporté à cause de la pluie. Et puis, on vous le disait, donc l'Africa Sport, 4-2 face à l'Amphira. Et dans la poule B, RFC Abouasso, Yamsokro, donc 2-0 pour Yamsokro. L'ISKA a battu Guéry 4-1. Songo FC a fait match nul, hein, 2-2 face à l'OFC Adiaké. COSAP face à Tabo, 2-2. L'US Fermi a battu Sirocco FC 1-0. Et le CO Espoir a battu Tanda 3-2. Au classement, dans la poule A, premier Africa Sport avec 45 points. Suivi de Zoma FC et à la 3e place, le CO Boisflé avec 43 points. Et puis en bas du tableau, donc Efim, 22 points à la 12e position, suivi de Ouragayo à la 13e place avec 11 points. Et dans la poule B, premier Liska avec 49 points, suivi de Mouna FC, 46 points. À la 3e marche du podium, Yamsokro FC, 43 points. Et tout en bas du tableau, Sirocco FC, 22 points à 12e position, suivi du CO Sport avec 21 points. Alors, un mot sur l'Africa Sport. Hein. Est-ce qu'on peut dire que la montée est jouée pour les Verts et Rouges? Pas encore jouée, mais elle est jouable. Elle est presque, voilà, elle est presque faite avec une équipe de l'Africa taille patron aujourd'hui qui a été exceptionnelle. On avait l'habitude donc de voir une équipe de l'Africa assez poussive. Là, face à l'Amphiara, eh bien, ça a été la totale efficacité, même si eh bien, on a eu un tout petit peu peur chez les membres associés lorsque l'Amphiara est revenu à la marque. Donc voilà, l'Africa est en train petit à petit de grimper et je sens que c'est la bonne tout simplement pour les Aiglons. Bon, ben on l'espère. En tout cas, ce serait beau pour le football ivoirien. Allez, on va conclure avec la météo, hein, de nos pros ivoiriens. Encore un week-end où le soleil était au beau fixe. Eh ben, prenons les températures avec Armel Yao et Marco Seri dans le Thermopro. Buteurs, passeurs, champions, les sportifs professionnels ivoiriens ont brillé ce week-end à travers le monde. On démarre par l'Allemagne, plus précisément à Dortmund. Buteur la semaine dernière, Sébastien Haller a doublé.
Ensuite, placement de volet en centre de Doniel Malen. Absent des terrains lors de la première partie de la saison, Sébastien. Envolons-nous pour l'Angleterre. Désigné meilleur jeune joueur de la saison de Sunderland, Amad Diallo a encore fait parler de lui ce week-end. En demi-finale allée des play-offs de Championship, la pépite ivoirienne a inscrit le but égalisateur avant que Trai Yumi ne scelle la victoire de Sunderland face à Luton Town, 2-1. Rendons-nous maintenant en Suède, où Bene Traoré demeure sous le feu des projecteurs. L'international U23 a inscrit un doublé et délivré une passe lors de la raclée infligée par Aken, 6-1, à Degerfors, à l'occasion de la 8e journée de la Allsvenskan. L'ancien Mimosa compte désormais 8 buts en autant de matchs. À 979 km de Barcelone, à Malaga, un Ivoirien s'est illustré. Junior Lago a retrouvé le chemin des filets, inscrivant le deuxième but des siens lors de la victoire 2-0 face à Mirandés en Liga Adelante, la deuxième division espagnole. Et voilà, on est extrêmement fiers de nos pros ivoiriens. Et bien ça y est, c'est la fin de ce numéro de NCI Sport. Merci beaucoup Patrick Guité. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. Alors le prochain rendez-vous, et bien, ce n'est pas lundi, non, c'est plutôt ce samedi. Hein, samedi à 13h45 précisément pour le match de la Basketball Africa League. Stade Malien face à Cape Town Tiger, avec donc un coup d'envoi à 14h, suivi de la rencontre entre le Al Ahly face au REG du Rwanda. Donc ce sera un très très bon week-end basketball qu'on vous proposera de passer. Donc rendez-vous samedi à 13h45. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous. Et puis on se quitte comme d'habitude avec les prolongations d'Hervé Kiesse. Bye bye. Now, so they just want to play against Magic.